Un petit mot sur les fixations. Alors moi j'utilise cette fixation là avec la plume Race 170. Donc c'est partout la même fixation. Et globalement ce que j'aime beaucoup en fait c'est mettre un grand rail à l'arrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait si tu changes de chaussure, eh ben tu as quand même vraiment du réglage. En même temps, j'aime bien ce système là parce que j'ai 4 vis à l'arrière. Ça existe en fait avec un patin où tu as 2 vis. Et donc je privilégie vraiment le 4 vis à l'arrière avec un long rail. Et ce que j'aime énormément chez Plume, c'est qu'en fait, avec cette fixation là, avec la Plume Race 170, je suis très proche de mon ski. Donc en fait, je suis très très connecté. Et du coup, je suis légèrement un petit peu plus haut au niveau du talon, donc ça me met légèrement vers l'avant. Et par contre, je suis très près du ski. Donc du coup, le moindre petit mouvement que j'ai au niveau de mes pieds, et je le ressens très très vite. Donc ça, c'est vraiment la fixation que je mets sur tous mes skis, jusqu'à 100 sous le pied. Après, si j'ai des skis plus larges, plus gros, je vais passer sur d'autres modèles. Chez Plume, c'est plutôt les modèles Yak ou la Plume Guide. Enfin, c'est des modèles plus lourds.